une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, il surgit l'aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis. Sur son front et les ailes déployées. Oiseau, il avait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a posé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu. Surgissant du passé, il m'était revenu. Dis l'oiseau, maudit, emmène-moi. Retournons au pays d'autrefois, comme avant, comme dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant sur un nuage blanc. Comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. Dans un bruissement d'ailes, l'aigle noir prit son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Près d'un lac, je m'étais endormi quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac endormi, quand soudain, semblant sortant de nulle part, il surgit l'aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac endormi, quand soudain, il surgit l'aigle noir. Il venait de nulle part. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, il venait de nulle part. Il surgit l'aigle noir. C'est difficile pour une femme comme moi.
sans défense de rester seule. Alors, tu seras pas surpris si je t'apprends qu'il y a eu quelques petits changements dans nos existences. Par exemple ? Par exemple, Eddie, ton associé de l'autre côté de la rue, il était formidable lui aussi. Au début de ton emprisonnement, tu donnais pas de nouvelles, que veux-tu ? Je me sentais si paumée. Eddie, il était si gentil. C'est mis à vivre ensemble. Tu peux comprendre, tu as les idées larges. Très larges, oui. Bon, une chose en entraînant une autre. On a eu un enfant. J'ai préféré que tu l'ignores pour pas te blesser à distance. Je l'ai appelé Johnny. Je lui ai donné ton prénom. J'ai pensé que tu serais sensible à ce geste. Très sensible, oui. J'étais obligée de vendre l'appartement, trop petit. Et le petit John se sentait un peu seul, alors on lui a fait un petit frère. Je l'ai appelé Philippe, ton deuxième prénom. Normal. Tu dis rien, Johnny. Ça va ? Tout va bien. Continue, ma jolie. Bon, j'ai été obligée de vendre l'Aston X37. Et comme il restait quelques dollars à ton compte, on a acheté une maison à Cécile comme Maurice. Seulement, les affaires d'Eddie ont pas bien marché. Et il y avait quelques actions de ta mine d'or du Montana. Le conseiller financier m'a conseillé de les réaliser parce que tu comprends, la bourse en ce moment. Enfin, une chose en entraînant une autre. On s'est installé dans ta maison du lac Taou avec les gosses. Et là, Eddie invitait tout le temps ses amis, des vandales. Cassait tout, emportait les raquettes de tennis, ne les rendait pas. Ils ont tellement gâché notre vie. Ils ont même emporté tes chemises. Au final, Eddie m'a conseillé de vendre la villa. Et le lendemain, le salaud, il a disparu avec les gosses. Il les a emmenés à Saint-Lô. Il m'a laissée toute seule, perdue. Bien. Tu ton ex-mari. Je prends tout à mon compte. Tu ne dis rien. Je vais en taule. Tu ne donnes aucune nouvelle de toi. D'accord. Tu couches avec mon ex-associé. Tu lui fais un enfant. Tu lui as un autre. Ok. Tu vends tout ce qui m'appartient. La voiture, mon appartement, mes actions en banque. Ok. Tu envahis la villa du lac Taou. Elle brûle pas, mais c'est tout comme. Tu es ruiné, abandonné. Eddie se fait la malle. Je viens. Il y a une chose que j'entends au passage, une chose en entraînant une autre, comme tu dis si bien. Oui. J'ai cru comprendre que les amis d'Eddie avaient pris mes chemises. Oui, Johnny. Tu veux dire mes 130 chemises? Oui. Oui. Celles de mon chemisier anglais, de Mark Spencer et Asbun de Chicago. Yes. Que je commandais par série de 12. Oui, 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 oui. Voilà, tu vois.
Bien, vite à tout. Adieu, ma jolie. Adieu, ma jolie. Rencontre Delphine, mes chaises. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Appelle le lieutenant Holmes, Bernie Holmes, du commissariat central. Il va comprendre, nous avions le même chemisier. De l'Oursine, le cadavre d'une jeune charbonnière a été retrouvé horriblement mutilé. On suppose que les assassins étaient au nombre de deux. Deux contre une femme. Mais quelle horreur! La justice sur les traces des coupables grâce à deux pièces à conviction. Bravo, ça c'est bien fait. Un parapluie vert surmonté d'une tête de singe. Mais c'est le parapluie de monsieur. Et un mouchoir noté JM. JM, je le distingue. Bien embué. Plus de doute, c'est nous qui avons fait le coup. Je
n'osais pas te le dire. C'est horrible. Moi qui ai le vin si gai. Pauvre charbonnière, moissonnée à la fleur de l'âge. Il n'y a plus de parapluie. Oh, les mains. Lavons-nous les mains si vous voulez être pour des gens normaux. Il est terrible, mais plein de bon sens. Vite, vite, de l'eau. L'eau de Javel, du gel pour le colis. Si vous passez pour des gens normaux, lave-nous les mains. Oui, mais... La conscience. Qui nous la lavera? Mais la conscience, mon ami, ça ne se lave pas. Tu as raison. Allons nous laver les mains. De scélérats. Et c'est tout. Ces émotions me disloquent. Je suis complètement humide. Qu'est-ce que tu fais là? Quand je suis malheureux, je m'étourdis, m'enivre. Allons, donne-moi un verre d'orangie, ça te suffira, quant à moi. Je vais te donner de l'eau. Et c'est la vodka. Et puis de Russie. Tu as raison, ça nettoie, ça fait du bien. Ça désinfecte. Mais
Tu as peut-être oublié quelque chose. Il y a peut-être la police qui vont bientôt arriver. Oh ! La police ! Non, c'est juste ce charbon qui réapparaît comme la tache de sang de Macbeth. Moi aussi. Oh, je ne veux plus tuer de charbonnière. C'est trop salissant. Allons-nous nous laver les mains ? Une brosse, oui, un savon. Oui, vite, dépêchez-vous. Si vous laissiez votre femme tranquille, vieux frère, c'est vous qui vouliez venir en ville. Je vais le ramasser. Non, ne dérangez pas. C'est une expression qui vous est chère, pas vrai? Laquelle, je vous prie? Vieux frère, c'est une scie. Où l'avez-vous ramassée? Ah, dis donc, Tom, si tu as décidé d'être odieux, je ne resterai pas ici une minute de plus. Tu ferais mieux d'appeler l'office qu'on nous montre de la classe pour le mid-julep. Oh. Comment des gens peuvent se marier dans une chaleur pareille? À propos, monsieur Gatsby, il paraît que vous êtes un ancien élève d'Oxford. Ouais, j'y suis allé en effet. Et on peut savoir quand? En 1919. Mais je n'y suis resté que 3 mois, voilà pourquoi je ne puis réellement me dire un ancien élève d'Oxford. Oui, c'était une faveur accordée à certains officiers après l'armistice. Nous avions le droit d'étudier dans n'importe quelle université de France ou d'Angleterre. Merci, bravo. Bravo, Gatsby. Merci pour tout ce que vous avez fait. Débouche le whisky, Tom. Et après, tu te sentiras plus aussi stupide. Waouh, regardez-moi cette menthe. Un instant. J'ai une dernière question à poser à M. Gatsby. Allez-y. Qu'est-ce que c'est que ce micmac que vous prétendez faire dans mon ménage? Il n'a rien fait. C'est toi qui fais des histoires. Tâche donc d'avoir un peu de sang-froid. Un peu de sang-froid? J'imagine que le dernier cri, c'est permettre à M. Personne de faire la cour à votre femme. Bien si c'est ça, ne comptez pas sur moi. De nos jours, les jeunes gens se moquent de la vie de famille et du foyer conjugal. Ils flanquent tout par-dessus bord. Je ne suis pas très populaire. Je n'organise pas de grandes fêtes, moi. J'imagine qu'il faut transformer sa maison en porcherie pour avoir des amis dans le monde moderne. Hein? Moi aussi, j'ai quelque chose à vous dire, monsieur. Je vous en prie, rentrons chez nous. Bonne idée. Allons, Tom, venez. Personne ne veut voir. Je tiens à savoir ce que M. Gatsby a à me dire. Votre femme ne vous aime pas. Elle ne vous a jamais aimé, c'est moi qu'elle aime. Vous êtes fou. Elle ne vous a jamais aimé, vous entendez? Elle ne m'a épousé que parce que moi j'étais pauvre et qu'elle en avait assez de ma tante. C'était une terrible méprise, mais dans son cœur, elle n'a jamais aimé que moi. Daisy, assieds-toi.
s'est passé entre vous? Je veux le savoir. Je vous ai dit ce qui s'est passé. Ce qui se passe entre elle et moi depuis 5 ans sans que vous le sachiez. J'ai vu cet homme pendant ces 5 années. Non, elle ne m'a pas vu parce que nous ne pouvions pas nous voir. Mais nous nous aimions et ça, vous ne le saviez pas. Moi, je riais parfois en pensant que vous ne le saviez pas. Oh. C'est tout? Vous êtes fou! Voilà, je ne puis parler de ce qui s'est passé il y a 5 ans, car je ne connaissais pas encore Daisy. Et je me demande comment vous auriez pu l'approcher, à moins que vous n'étiez le livreur passant par l'escalier de service. Hein. Le reste, nom de Dieu, est un mensonge. Daisy m'aimait quand je l'ai épousée. Et elle m'aime encore. Hein. Ah! Révoltant! Veux-tu savoir pourquoi nous avons quitté Chicago? Ça m'étonne que tu n'aies pas encore régalé du récit de cette fille! Daisy. C'est bon. Tout ça n'a plus aucune importance. Contentez-vous de dire la vérité que vous ne l'avez jamais aimée et tout ça sera effacé pour toujours. Comment pourrais-je l'avoir aimée? Mais vous ne l'avez jamais aimée. Je ne l'ai jamais aimée. Je ne l'ai jamais aimée. Pas même à Capiolani? Non! Et pas même quand je t'ai débarqué du punch bowl dans mes bras pour que tu ne te mouilles pas les pieds? Daisy! Ça, c'est un mensonge. Elle ne savait même pas si vous étiez en vie ou non. Allons donc, il y a entre Daisy et moi des choses que vous ne connaîtrez jamais, des choses qu'on ne pourra jamais oublier, ni l'un ni l'autre. Je veux parler à Daisy seule à seule. Vous voyez bien qu'elle est affolée. Mais même seule à seule, je pourrais pas dire que j'ai jamais aimé Tom. Ce serait pas vrai. Bien sûr que non. Ah, comme si ça avait de l'importance pour toi aussi. Mais bien sûr que ça a de l'importance pour moi. Je ferai plus attention à toi, à l'avenir. Vous ne comprenez vraiment pas. Vous n'allez plus vous occuper d'elle du tout. Et pourquoi? Eh bien, parce que Daisy vous quitte. Enfantillage! C'est pourtant vrai! Daisy ne me quitte. Elle ne me quittera pas pour un vulgaire escroc qui devrait voler l'anneau qu'il lui mettrait au doigt. Je ne tolérerai pas! Rentre chez moi! J'ai fait une petite enquête sur vos affaires. Je sais tout de vos magouilles. Votre aise? Ah, ça dit, il semble que votre ami, là, Walter Chase, n'était pas trop dégoûté, puisqu'il a travaillé pour nous. Il était tellement fauché, trop heureux d'attraper un peu de galette, hein, vieux frère. Je vous défends, mon vieux frère! Oh, il aurait pu vous faire coffrer, s'il le voulait! Et puis, vous vous occupez maintenant d'une chose dont Walter n'a pas encore osé me parler. Mais ne l'écoutez pas, mais il y a tout simplement pas que vous quittiez. Je t'en prie, Tom. Je ne puis supporter ça plus longtemps. Rentre à la maison, Daisy. Dans l'auto de Monsieur Gatsby. Va donc! Oh, il ne t'embêtera pas. Je pense qu'il a compris que son petit flirt présomptueux a pris fin. Jordan, Nick, vous en voulez? Nick? Bon, Nick? Oui? Vous en voulez? Non. Non. Je viens de me rappeler, c'est aujourd'hui mon anniversaire. Yeah.
Aucune nouvelle. Vous avez fait 5 km de Chamonix jusqu'ici d'ici pour me dire que vous n'avez rien fait. Je vous en prie, monsieur, pas de ce temps-là avec moi. Ne criez pas, sinon je repars. Je vous demande pardon. Bon, asseyez-vous. Bien. Vous n'êtes pas de bonne humeur, mon vieux. Mais ne vous torturez pas ainsi l'esprit. Votre femme reviendra. Une fugue, ça n'est jamais qu'une fugue. Il doit y avoir, en France, je sais pas moi, 10 000 maris quittés par leur femme. Et tout s'arrange dans 99% des cas. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour la retrouver? Mais mon vieux, la police n'est pas chargée de ramener par l'oreille les petites épouses infidèles. Ma femme ne m'est pas infidèle, oui. Elle est partie après une dispute. Ah. Elle est partie seule. J'ai aucune idée où elle a pu aller. On est mariés depuis quoi? Ouais, 3 mois. C'est peu, c'est vrai, mais nous nous aimons à la folie. Voilà. De toute façon, sachez-le, si on nous l'annonce, signal accidenté ou décédé, vous serez le premier averti. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais ce sont des choses qui arrivent. Non! Oh. Pas elle, non. Ah, Deux. Ça va aller. Courage! Mais je l'aime encore comme un homme. Mais si. Je me suis permis de frapper à votre porte.
Mais asseyez-vous, prenez place, vous prendrez bien un verre avec moi. Je ne dis pas non, l'automne est frère. Tonia. Donc je disais, je suis venue pour remercier votre femme. L'autre semaine, elle m'a remis un chèque de 20 000 euros. C'est une somme, hein. Monsieur Corbon. Sans doute, ma sœur, mais seulement je dois vous dire quelque chose, la généreuse donatrice n'est pas là. Bon, elle est partie. Elle a foutu le camp de la maison, voilà. À sa santé. Puis-je vous poser une question ? Aimez-vous toujours votre épouse, malgré cette, escapade? Hélas, oui. Nous nous sommes mariés au mois de juin. Un amour de vacances qui se transforme en mariage. Et la petite église, au fond des pins. Et le voyage de noces à Venise! Ah ouais, là j'étais heureux! Ah ouais, j'étais heureux! Et puis nous avons tout de suite emménagé en Savoie parce qu'un ami me prêtait son chalet. Alors on s'installe et dans la solitude, on se heurte. Alors on se réconcilie et puis. Encore une dispute, voilà. Et puis Elisabeth, qui fait sa valise et puis qui s'en va. Il y a de ça 10 jours. Alors bon, moi, j'espère, enfin, non, je pense qu'elle va revenir. Parce que sinon, moi, je vais venir. Votre peine est sincère. Elle me touche. Seriez-vous prêt à recevoir votre épouse sans un cri, sans un reproche? Oui, bien sûr. Alors vous êtes prêt à recevoir la bonne nouvelle que je suis venue vous annoncer? Je vais me changer.
monsieur Corbin. Êtes-vous sujet à des troubles? À des... absences? Quoi? Jamais? Pourquoi est-ce que vous posez la question? Vous ne me croyez pas! Je vous dis que je ne connais pas cette femme! Attendons le commissaire. Mais je 20 000 euros à l'ordre de la paroisse que j'ai
que j'ai embauché le 20 septembre. Cette histoire. Ces faits sont vérifiables auprès de la banque. Bien. Monsieur le commissaire, je suis désespérée. Je crois qu'il ne sait juste un malentendu. Regardez mon état. J'en ai assez entendu. Mais vous ne me croyez pas, mais... Oh, mais calmez-vous, mon vieux. Vous avez vraiment besoin de repos, vous tremblez comme une feuille. Et vous devrez être content que votre femme soit revenue. Au lieu de cela, vous buvez comme un trou, et vous faites un esclandre. Et ce serait plutôt à Madame Corbon d'appeler la police vu votre état. Vous êtes en état d'ébriété, et vous appelez la police. Mais c'est un comble. Et rien ne vous arrête, vous, hein. C'est le SAMU qu'il faudrait appeler, estimez-vous heureux que je le fasse pas moi-même. Vous aurez expédié à l'hôpital psychiatrique le plus proche. On mettez-le au lit, hein. Après sa cuite, il a juste besoin de bonne nuit de sommeil, hein. Madame Corban, sœur, mes hommages. Écoutez, je vais vous laisser, moi aussi. Vous verrez, monsieur Corban, après une bonne nuit de sommeil, tout ira mieux. Puisque vous n'êtes pas. Je vais aller prendre un bain. Entre le voyage, ces histoires, je suis extrêmement. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. Thank you.
Vous habitez dans le quartier ? Non, du côté d'Auteuil. Alors, vous travaillez dans le quartier ? Oui, dans des bureaux. Et vous ? Oh, moi, je travaille dans une librairie. Ah, ça va être intéressant. Margaret Lecoz, c'est breton ? Oui. Alors, vous êtes né en Bretagne ? Non, à Berlin. Ah, et voilà les tourtereaux. Vous savez, ils font bon appart. Ouais. Alors, on t'attendait, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vois, tu préfères la compagnie de Mademoiselle Lecoz, la boche. Je ne veux pas ce soir. Oh, ils sont gentils, allez, viens avec nous. Allez, lâche pas la cause comme ça. Viens avec nous. À ce soir, alors on se reverra la semaine prochaine. Bye bye. Mais oui, c'est ça! Vous avez sans doute raison! Et je peux savoir ce que vous faites dans vos bureaux? Un travail de secrétaire, je traduis du courrier en allemand. Ah oui, c'est vrai, vous êtes née à Berlin. J'attends que l'heure de pointe soit passée pour reprendre le métro. À cette heure, la station a dû fermer avec les manifestations. J'ai été interne dans le lycée d'en face, le lycée Rollin. Vous avez fait des études? Non, et vous? Oh, moi non plus. Garder longtemps. Au moins jusque demain. C'est douloureux. Non, pas vraiment. Mais tout à l'heure, dans le métro Bondé, j'ai vraiment cru que j'allais étouffer. J'ai lu quelque part, je sais plus où, qu'une première rencontre entre deux personnes est comme une blessure légère qu'on s'inflige l'un à l'autre et qui nous sort de notre solitude. Tout à l'heure, dans le métro, je me suis dit que notre rencontre n'aurait pas pu se passer autrement. Là, dans la bouche de métro, projetés l'un contre l'autre, et que vous deviez vous blesser, moi vous emmener à la pharmacie. C'est quand même vous. Envie de l'enlever. Attendez, je vais vous aider. Que je me suis battue. Et vous pouvez pas prendre quelques jours de congé après cet accident ? Non, vous savez, à la moindre absence, on ne retrouve plus sa place dans un bureau d'intérim. Vous voulez que je vous raccompagne chez vous ? Et votre blessure, vous avez pas trop mal ? Non, ça va. Et puis à 7h, je ne risque plus rien, les rames sont presque vides. Venez me chercher un soir à la sortie des bureaux. 24 rue du 4 septembre, 19h, vous avez de quoi noter? Non, mais je retiens toujours le nom des rues et le numéro des maisons. Et si je venais un soir pour rien à la sortie des bureaux? Le veuf, l'inconsolé, le prince.
capitaine à la tour abolie. Ma belle étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posilif et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose s'allie. Suis-je amour, Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, et j'ai deux fois vainqueur traversé de la Guéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte. Je n'ai pas dit un temple et pris soin de l'orner et de victime moi-même à tout
du sein paternel. Je respirais, nonne. Et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Soumise à mon époux, et cachant mes ennuis, de son fatal hymen, je cultivais les fruits. Comme un imbécile. Allez. Ma tendre amie, tenez-moi la main. Et redevenons amis. Comment ai-je pu m'endormir hier soir avec ces mortels sur la terre? Allons, levez-vous. Levez-vous. Nous entendrons tout à l'heure la suite de cette histoire. Il me semble que je vois double et que mes regards divergent. Démétrius me fait l'effet d'un objet retrouvé qui est à moi et qui n'est pas à moi. Êtes-vous bien sûr que nous sommes éveillés? Il me semble à moi que nous rêvons toujours. Je devrais faire composer une ballade sur ce songe. Oui, elle s'appellera le rêve de votre homme. Parce que ce rêve-là, il le sait. Et je la chanterai peut-être à la fin de la pièce. Et peut-être même après la mort. Vas-y. Alors. Attends, prends ton temps. Vas-y. Prends ton temps. 1, 2, 3.